Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times. DB Times, vos vidéos sur DB, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé comme ça pour un petit DB React. Évidemment, comme chaque mois, débriefing des ébauches de Toyotaro. Là, c'est chapitre du coup 73, il me semble. On va regarder ça ensemble. Il y a 8 pages qui nous ont été teasées du coup sur le site officiel. Hein, vous commencez à connaître le site officiel. Ça sortira dans le V-Jump évidemment au Japon le 21 juin. Voilà. As usual, et bien entendu, on le retrouvera aussi sur le site officiel Manga Plus à cette même date ou généralement la veille. On verra, je ne sais pas quand est-ce que ça va popper puisque j'avais regardé rapidement la date. Le 20, ça tombe un dimanche. Alors écoutez, on suivra de près, vous serez informés comme d'habitude du live qui sera lié du coup à la découverte de ce chapitre 73. Petit récapitulatif du coup de ce qui s'était passé dans le chapitre précédent. Voilà, Goku, Granola, ils ont commencé leur fight. Granola qui du coup est toujours animé par sa vengeance et qui veut se débarrasser des Saiyans, de Frieza. On avait le clan Pouelec qui vont normalement débarquer tous sur la planète des céréales. Voilà, c'est ça. Et puis on a Goku qui s'est transformé en Super Saiyan Blue pour tenter de tenir tête à Granola, et Vegeta en parallèle, lui, il inspecte les lieux, il s'est pris pour un archéologue, je sais pas quoi, il a trouvé des pattes de singe, et il s'est dit, oh, je sais qui est le céréalien. Pas une seule trace de lui dans ces 8 premières pages de début de chapitre. Donc on rappelle qu'un chapitre, ça fait environ une quarantaine de pages, et que c'est 8 pages de teasing seulement, c'est pas beaucoup, hein, donc même 7 pages carrément, donc c'est pas énorme, et surtout que c'est que des pages d'action, on est concentré sur Goku versus Granola, c'est même le titre du chapitre, donc on va pas pouvoir vous dire ce qu'ils disent, puisqu'il y a pas une seule, en 7 pages, il y a pas un seul dialogue, donc c'est que du fight, donc on va revenir brièvement sur les inspirations peut-être de ce fight, sur la mise en scène également de Toyotaro, c'est un aspect qu'on peut traiter d'un point de vue technique, on peut vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, et aussi également ce qu'on en pense. Du coup, première case, on a directement un face-à-face, où on a un écran splitté, où on a une caméra face à Goku. Je parle une caméra parce que clairement pour moi là, il nous a fait du cinéma, vous allez voir. Ah ouais. J'ai envie de passer à la page suivante. Non, mais moi je trouve ça efficace parce que le chapitre s'appelle Goku versus Granola. Il nous met en fait Goku sous l'écriture Goku, Granola, sous le nom Granola. Et il sépare en fait, comme pour faire un versus, comme vous avez dans les trucs de combat, avec des onomatopées, les onomatopées des Kikora, dodo, dodo, dodo. Et donc on a la vue, c'est pas une vue première personne, mais presque, comme si t'avais la personne en face de toi. C'est intelligemment fait, je trouve. Il n'y a rien à dire sur cette page. Enfin, s'il y a quelque chose à dire, justement, je viens de le dire. Mais il n'y a rien à reprocher. En tout cas. Deuxième page, on a donc une case où Goku se meut hyper rapidement pour éviter donc les Kikora que balance à la chaîne Granola qu'on a vu sur la case précédente. Goku qui essaye là pour un coup de prendre de vitesse Granola qui jusque maintenant était plutôt celui qui dominait niveau vitesse. Ça marche pas. Il a l'air surpris. Granola il fait mais en fait t'as cru, t'as mal cru. Bah c'est ça, il esquive et puis pour que Goku il réussisse à choper Granola, il va falloir monter de 3 pages. Il défonce un arbre et en fait Granola le surprend parce qu'il profite de ça et puis il se la joue Tarzan peut-être, je sais pas. Il est dans la forêt, il est dans son élément le gars. Il utilise son petit foulard j'imagine ou je sais pas quoi pour frapper Goku sur le côté. Alors on pourrait y voir des inspirations multiples. Il y a d'abord la première inspiration qui nous vient à l'esprit quand on voit un combat comme ça avec des Kikora dans la forêt, on pense au 5e film DBZ, combat Piccolo contre Souser. On pense aussi à Star Wars, c'est des trucs qu'on a déjà vu même dans Dragon Ball dans la première série, quand t'as ces longs arbres super gigantesques en fait, c'est des arbres centenaires, et que t'as deux personnages qui s'affrontent à toute vitesse, ou en tout cas qui se poursuivent, quand il y a une course-poursuite tout du moins entre ces arbres, ça fait penser évidemment à Star Wars. Et ça me fait penser également à Battle of Gods, le combat contre Beerus qui à un moment se délocalise plus loin sur Terre. Et on voit, il y a des affrontements en forêt et tout ça. Bah t'as même F4 No F, Résurrection de F, quand t'as Kame Sennin et tout petit Quintil qui se battent. C'est vrai, Gohan aussi tape des gens en forêt. Tape des gens en forêt, ils aiment bien la forêt, écoute. En tout cas, Granola n'est pas un ami des arbres, puisque ça fout un chiotte dans la forêt, voilà. N'en déplaise aux protecteurs. Heureusement, ce n'est que romancé, calmez-vous dans les Greenpeace, commentaires. Greenpeace, si vous nous regardez, désolé. Mais c'est vrai qu'écoute, j'ai l'impression de voir, c'est un coup donné pour un rendu. On tente quelque chose, il y a une esquive, on envoie un Kikora. J'ai pas l'impression de voir ça. On envoie un autre. Alors moi, j'ai l'impression de voir une totale domination de Granola. C'est-à-dire que Goku, il n'arrive pas à le toucher. Tout ce qu'il fait, Goku, il n'arrive pas. Donc pour l'instant, c'est pas très bon pour lui. Je pense qu'il va passer à l'Ultra Instinct. Parce que là, il est en Super Saiyan Blue. Au-dessus, il a quoi? Super Saiyan Blue Kaioken.
peut-être qu'il va le tenter contre Granola, mais bon, on va passer direct à l'Ultra Instinct, tu sais le faire maintenant. Donc on a vu qu'il jaugeait Granola, il avait utilisé le Super Saiyan God, pas efficace. Là il utilise le Blue, il arrive même pas à le toucher. Quand il essaie de lui faire un coup de pied pour le rattraper en vitesse, Granola il s'échappe. Quand il lui fait des Kikoa, Granola il les esquive. Et en plus de ça, il arrive à le frapper avec une petite stratégie de contournement. Donc pour moi, si le Super Saiyan Blue marche pas contre Granola, Goku, dans chapitre, là, dans quelques instants, il va passer en Ultra Instinct. Il va devoir. Là, je le trouve pas... J'utiliserai pas le mot dominer, parce que clairement, bon, Goku, il fait une offensive. Il tente des trucs, l'autre, il se barre. Il l'a surpris avec sa technique de singe. De toute façon, il est pas de taille. C'est-à-dire, je le trouve pas dominé, mais je le trouve pas de taille. Clairement, là... Ah, s'il est pas de taille, c'est qu'il est dominé. Non, moi, enfin, pour moi, il y a une nuance. Après, peut-être que... Mais pour moi, il y a une nuance. Je sens que là, il va se fatiguer pour rien, en fait, à faire des trucs. Donc, il faut qu'il fasse autre chose. Bon, on en... Bref, c'est fini. Il se fait envoyer poutrer comme ça dans les arbres. Goku, du coup, on voit ce dernier plan où il se met sur ses appuis et on ne sait pas, du coup, ce qu'il va se passer. Donc, c'est l'une des premières ou rares fois, je crois, qu'on n'a aucun dialogue dans des ébauches, même pas une case. Même pas une case de dialogue, que des onomatopées. Et surtout, on peut encore insister sur ça, parce que c'est quelque chose qu'on relève souvent dans les vidéos et dans les lives. C'est que Toyo Italo a cet œil cinématographique, et pour moi, Toyo Italo devrait se mettre à faire des storyboards de cinéma. Fais des storyboards de cinéma, frère, c'est très bien ce que tu fais là. C'est du cinéma, c'est pas du manga. C'est au-delà d'un manga, là tu vas carrément dans le cinéma. Donc ouais, Toyo Italo, je le vois bien un avenir dans le storyboard de cinéma, pourquoi pas la réal hein, du coup, hein, mais il y a de ça, peut-être que c'est à ça qu'il s'exerce. Qu'est-ce qu'on peut espérer du coup pour la suite de ce chapitre? Bah j'imagine... Petite révélation de la part de Vegeta, ou s'il n'y en a pas et qu'il garde ça encore mystérieux, au moins Elec et Gas qui arrivent, ça serait bien. Ouais, j'aimerais bien. En fait, tu vois, c'est marrant, hein, mais moi c'est plus ça qui m'intéresse, c'est Gas et Elec qui arrivent, que vont-ils faire? La révélation, tu l'as dit, de Vegeta, c'est ça qui m'intrigue un petit peu. Qui ça peut être? C'est est-ce que on va avoir Frieza qui va plus ou moins revenir dans cette histoire, ou est-ce qu'on va avoir une case, deux cases qui fait écho à Frieza en mode ah on est en train de nous mettre dedans, je sais pas. Autre, mais le combat Goku Granola en tant que tel là, 100%, c'est pas c'est pas que c'est pas j'ai passionnant, pas envie, c'est que pas passionnant. Ça me passionne pas. Ouais, parce que c'est pas passionnant, on va pas se mentir. On l'a vu un peu déjà le mois dernier. On avait été déçu par le traitement de Goku. N'hésitez pas à aller voir le live. Il y aura des vidéos, de toute façon, sur le début de l'arc. Hein, vous inquiétez pas, l'arc du survivant Granola. Mais on avait été déçu du traitement de Goku, encore une fois, j'ai envie de dire. Dans Dragon Ball Super, c'est étonnant. Bah, ouais. Là, je peux et pas on est être... plus intéressé et intrigué par les mystères qui tournent autour et les trucs qui gravitent autour. Donc là, c'est sur les céréaliens, sur Elec, sur ce qui peut se passer stratégiquement, sur Vegeta, ce qu'il fait, puisque du coup, il est extérieur au combat. Mais au-delà de ça, c'est vrai, le combat, c'est un combat, quoi. Tu vois, c'est pas... Il n'y a pas de truc révolutionnaire. C'est un combat qui est mort dans l'œuf. C'est-à-dire que quand tu suis une intrigue et que tu ne sais pas du tout ce qui peut se passer après, te prends les combats, prends l'arc-cel. Tu sais pas que le combat qui est en cours, Piccolo contre Cell, ne va pas donner suite à d'autres choses derrière, et encore d'autres choses et d'autres surprises. Et tu vois, t'es toujours dans la surprise de dire punaise, mais ouais, mais le combat il ne fait qu'évoluer, et tu sais pas l'intrigue du tout, tu n'en sais rien. Ah, faut se replacer au moment où il sortait, hein, évidemment, dans le manga. N'hésitez pas à regarder les chronoas pour ça, hein. On se replonge au moment, au jour précis où les trucs sont sortis, comment les Japonais, comment même nous, hein, on l'a découvert en manga. On savait pas qu'il allait avoir l'arc Majin Buu, on savait même pas que Goku allait se sacrifier, et auquel cas. Qui se sacrifie, on savait pas qu'il allait pouvoir avoir la possibilité de revivre ensuite. Là, par contre, c'est vrai que je vois que tu veux en venir en fait avec ça. On sait tout en fait. Pour moi, avant, on ne savait pas, même sans savoir la suite. Là, je sais pas la suite de l'arc de Granola, frère. Il y a personne qui l'a adapté. Je suis pas dans la tête de Toyo Italo, mais je sais ce qui va se passer. Je sais très bien que je me dis le combat, il va peut-être pas aller jusqu'au bout. Peut-être que Granola, il va finalement pas être le méchant du truc. Je sais pas. C'est prévisible beaucoup plus que à l'époque quand je découvrais Dragon Ball. C'était beaucoup plus imprévisible. Il y a toujours des choses qui sont prévisibles. Attention, je dis pas que Toriyama n'a pas fait des choses qu'on pouvait jamais voir venir. Mais on avait tout le temps des surprises. Juste surprends-moi et fais-moi avoir peur de ouf. Et tu seras peut-être surpris du coup le 20. On se retrouve le 20 et le 21 avec le chapitre complet. Peut-être qu'il y aura des révélations du côté de Vegeta. C'est ce qu'on attend. Et j'attends aussi le retournement de l'histoire au moment où Elec va débarquer tout ça. Quoi. Ouais, clairement. En tout cas, on sera là pour vous présenter ça en live. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Allez mater les chronoas, déclencher les petites clochettes pour ne pas les louper, parce que si c'est pas fait, bah tu loupes une partie des chronoas, et comme ouais. Le but des chronoas, c'est de parler d'un jour puis d'un autre, bah tu bah, le but des chronoas, c'est surtout de révéler des informations qui annulent par ailleurs, en fait. Associées à un jour, et en fait les jours sont des prétextes. Voilà, on s'en fout que ce soit le 12 juin, le 13 juin, 14, pas les couilles, c'est vraiment les informations qui sont contenues dans les chronoas qui nous intéressent et qui vous intéressent, donc n'hésitez pas. Aller voir un peu le contenu de la chaîne, parce que c'est le vrai contenu de DB Times, en fait, c'est ça. Plus que bah là, ce qu'on fait avec les DB React de chapitre, on réagit à un chapitre. Mmh. Il y a des mois, c'est excellent, et on est subjugué, il y a des mois, moins. Et là, bah, pour l'instant, on ne sait pas trop quoi dire, hein, c'est que cette page sans texte, donc voilà. Wait and see, comme on dit. On peut te faire une analyse, hein, on l'a fait, mais je pense qu'on ne va pas la faire plus long, quoi. Non, je pense qu'on va se laisser sur ça. Abonne-toi, partage, fais tout ce qu'il faut pour nous aider, et nous, on te fait plein de bisous. On se dit à très vite. À très vite sur DB Times, matinée.